Je suis parfaitement préparée. Pas moi. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, donc. Bah, pareil, hein. En avant. Je me dis en moi-même, heureusement qu'on peut pas se gêner, t'imagines, si on se passait pas au travers. Ouais, surtout qu'on est en... Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Officiellement en JCJ. Ah bah, il y en a un qui est tombé, déjà d'avance. J'ai été la première, je crois, à tomber, moi. J'ai fait mon saut un peu trop grand. Monsieur Ourcillon, ces choses que tu fais. Au secours! Oh, je déteste ça. Je déteste ça. C'est pire que. Non, c'est pas pire que les glissades, mais je me comprends. Dad. Monsieur Ourcillon! Ah ben voilà, je t'avais dit que t'allais tomber et souffrir le martyre. Allez, c'est reparti. Moi, il faut qu'il concentre son esprit avant de. Faut qu'il réfléchisse avant de penser. C'est comme dirait Prosper. Voilà. Oui, mais Prosper est un boulet. Tout vivre qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue et je lui arrache les yeux. C'était violent, toi, quand même, le courtisan là de Azura, machin là. Je lui arrache les yeux. Oui. C'est une version un peu gore quand même de la chanson, hein, quand même. C'est clair. Qui courait dans l'herbe, se l'attrape par la queue et je lui arrache Toi, t'adores cette musique, cette chanson, avoue, hein. C'est trop con, mais je l'adore. C'est mon côté sadique. Oui, j'ai cru comprendre que tu avais un côté sadique à force de vouloir me voir me planter sur des Non, glissades non, et. non, 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 pas te planter. Te voir stressé. Mais c'est pas mieux! Oui, mais ça veut pas dire que tu vas te planter. Tu dis ça, mais je suis totalement capable de me planter, donc bon. J'ai pas dit le contraire, hein. Oh, mais la con de ta mère. Pardon. C'était violent, ça. J'allais dire, ma mère n'est pas con. Bah, en fait, c'est soit à la con de ta mère ou à la con de ta race. Ça dépend. Alors ma race, normalement, c'est la même que la tienne de base, donc bon. C'était ridicule là. C'était juste après la première explosion de la tour. J'ai sauté sur la plateforme ronde et en fait je me suis pris la plateforme suivante, sauf que je n'ai pas sauté correctement. Donc je me la suis prise et je suis tombée. Après, bon, comme dirait Astro, tu es humaine, mais avant t'étais autre chose, donc bon. Ah, monsieur Sion, c'était débile ce que t'as fait. C'est Voilà. ça, j'étais autre chose, mais qu'est-ce que j'étais? Je n'en sais rien, c'est à toi de me le dire. Ne convoitez pas Et les je sais trésors pas. du roi des mondes. Vous mourrez Une même avant elfe? d'être riche. Non, j'ai clairement pas la grâce. Quel est le lore, le fameux lore de ce clocher? Eh bien, c'est très simple, je vais vous l'expliquer pendant que je vais sauter et essayer de déstresser. Alors, Monsieur Ourcillon devait aller faire des courses. Sa femme lui a demandé éventuellement des fleurs qui se trouvent tout en haut du clocher. Et comme Monsieur Ourcillon est maso, dans une certaine mesure, il est parti chercher les fleurs qui sont tout en haut du clocher. Il a demandé des fleurs du haut du... Rassemblez-vous, mes sujets. Bon, bah demain on est encore là, hein. C'est moi qui te le dis. Hein. Non, mais l'autre, il revient avec son ours. D'où est-ce que moi j'ai chim? Hein? Bon. Jalouse. Ouais. Et alors? Bah, c'est pas bien. Ah, d'accord. Je Alors, change monsieur d'abord Ourcillon, l'archétype. le but c'est de ne pas tomber. Et de rester serein face à toute cette zone verte qui se rassemble sous tes pieds. Le but aussi, c'est d'éviter de mourir de manière stupide. Comme ce que t'as failli faire juste maintenant. Et maintenant aussi. Mais ça, c'est plus officiel parce que t'es vraiment tombé. Allez les sujets, on y va. Pourquoi elle a une bubule à côté? C'est injuste, ça. Moi aussi, je veux une bubule.
Ah, mais il y a une ville dans la bubule. Il y a des tchars dedans. Quoi? Mais qui est bubule? Tu verras ça sur la vidéo. Bon, monsieur Orsillon, le but, c'est d'être plus productif que ce que t'as fait jusqu'à présent. Celle qui en demande trop, tu sais. Ah, mais la bubule est encore là. Je ne sais pas ce que c'est une miniature, mais non, mais on n'a pas les miniatures ici. Les mini-pets? Non, je crois pas. Ah, la con! Vas-y, monsieur Orsillon, essaye de nous montrer que t'es productif pour aller chercher des fleurs pour ta femme en haut du clocher, que j'ai totalement inventé ça au pif. Non, je garantis, tu peux pas avoir les mini-pets. Bah, je sais pas ce que c'est, ce bubule. Je ne sais pas ce que c'est que cette bubule non plus, et ça me stresse, au secours! Ah, je suis tombée. T'aurais pas remarqué, je suis tombée. Je crois avoir compris. Et elle va te... Vraiment, tu fais peur quand tu dis ça en plus. Et elle est carrément en tenue de soirée, elle. Hein. Elle a cette tenue de... Ouais, je vois. Bon, monsieur Orsillon, reprenons depuis le début. Le but, c'est d'être serein. Je ne crois même pas à ma phrase, à peine je l'ai prononcée. Ah là là, au secours. Ah mais tombez pas, vous autres, ça va pas le faire, sinon. Bah moi, ça m'arrange, parce que comme ça, ils me libèrent le chemin. Et j'arrête de me focus sur leur bouboule. Monsieur, si on le fait, c'est d'être très efficace sur les premières lancées. Et d'éviter de mourir bêtement, comme tu l'as fait bien souvent, et de manière pathétique. Tu suis bien gentiment la bubule char machin bidule qu'on a vu tout à l'heure, et tu évites de clamser. Tu vas ici, tu sautes là, et tu évites de crever. Merci. Oh non, c'est pas bon pour mon cœur, faut que j'arrête, hein, ça suffit, je vous demande de vous arrêter. Oula. Où est-ce qu'on doit aller? Je sais plus où est-ce qu'on doit aller, au secours. On doit descendre? Oh, on devait descendre! J'ai oublié! Bordel! Oh. Allez! Allez! Ouvre-toi! Ouvre-toi! Tu m'as fait trop peur. J'ai gagné! GG, moi j'ai pas encore Merci. Réussi. Allez, le deuxième maintenant! On reprend ça! Oui, de manière... Je vais devoir attendre qu'il tombe. Ouais. C'est chiant, ça, par contre. Bon, recommençons depuis le début. Monsieur Orsillon, le but, c'est d'être productif. Et d'éviter de crever bêtement, comme tu vas bientôt le faire. Ah, mais t'es tout seul, donc bonne chance pour trouver le chemin, monsieur Orsillon. Ah ben non, du coup, ça a foiré. Monsieur Orsillon, ne crève pas. Relève-toi, relève-toi. Ouh, c'est chaud. Cacao, chocolat. J'aime pas les noix de coco et j'aime pas les ananas. C'est bon l'ananas. C'est dégueulasse. Mais non. Tu n'as aucun goût. C'est officiel. J'ai très bon goût. Allez, allez, ouvre-toi, Sésame. Ouvre-toi. Oui, les fleurs. Les fleurs. Les fleurs pour Madame Orsillon. C'est parfait, merci. Merci. Je vous remercie sincèrement pour les fleurs de Madame Orsillon. C'est parfait, voilà. Et je profite pour montrer un peu le clocher pour Prosper, parce qu'il ne viendra jamais ici. C'est beau. Mais si, Prosper, tu peux y arriver. C'est beau le clocher, Prosper. Hein. Il y a une belle cloche au-dessus. Il y a des fleurs pour Madame Orsillon. Il y a une porte pour te ramener là-bas pour que tu recommences tout depuis le début pour bien te voilà, j'ai pas d'autres mots que ça, et voilà. Et moi, je suis sûre que Prosper peut y arriver. Ah ben oui, si jamais il... S'il est têtu à ce point, il peut réussir, il a bien fait le puzzle jump des Azura, là, donc pourquoi pas celui-là, hein. Alors, monsieur Orsillon, le but, c'est d'aller rechercher des nouvelles fleurs pour madame Orsillon, parce que c'est connu qu'offrir deux fois la même chose à une femme, c'est pas une bonne idée, hein. Fallout. Fable nous l'a bien expliqué sur ce point-là. Alors, quand tu te maries avec une femme sur Fable, hein,
et que tu lui offres la même chose, elle te dit « Vous m'avez pas déjà offert ça ?»« Non !» Et c'est là que tu te dis « Mais tu comprends les hommes qui ont envie de frapper leur femme, en fait ?» Ah là là, c'est pas gentil ce que j'ai dit, donc oubliez ce que j'ai dit, c'est pas bien de frapper. Pas dans ce sens-là, voyons, c'est frapper pas... au sens métaphorique. Oui, voilà, c'est ça, par exemple, moi j'ai envie de frapper Céline tous les jours, mais ça c'est autre chose. Ou au pire, avec une serviette. Et le pire, c'est que en disant ça, je suis tombée, donc le revers de karma, c'était un peu violent. Totalement faux. Bon, c'est ça, m'ouvre-toi, j'ai des fleurs à livrer, moi. Tout à fait, pour la quatrième fois, s'il vous plaît. Voilà, merci pour les fleurs. Madame Oursillon sera ravie. Parce que rassemblez-vous. Et elle aura des bonbons avec, en plus. Ce sont des fleurs d'éternité. Oui. Avec beaucoup d'amour derrière. Oui, oui. Tic-tac, tic-tac.